Bien le bonjour! Au cas où tu ne me connaîtrais pas encore, je m'appelle Camille, je suis la créatrice de contenu média activiste derrière le compte Girl Go Green sur Instagram, qui est un compte dédié à parler des enjeux environnementaux et sociaux. Et aujourd'hui, je fais un takeover de la page de la Caisse des dépôts afin de te parler de la journée de la nature qui est organisée par le groupe Caisse des dépôts ici à Paris au jardin d'acclimatation et qui se tient en parallèle du congrès de l'UICN qui a lieu actuellement à Marseille pour parler biodiversité. Et donc toute la journée d'aujourd'hui, nous allons parler biodiversité, les enjeux et solutions pour faire face au déclin et à l'érosion de la biodiversité. Et on est parti! Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour Camille. Tu es directrice générale de Novetic. Oui. On est ici donc à la journée de la nature organisée par le groupe Caisse des dépôts. Novetic fait partie du groupe Caisse des dépôts. C'est le mouvement Bicorp qui dit. Alors ce que je retiens de cette journée et des personnes que j'ai pu y rencontrer, c'est que ce soit les techniciens et techniciennes terrain qui connaissent avec précision les sujets sur la biodiversité ou que ce soit les décideurs et décideuses qui ont pris la parole lors des tables rondes et qui sont décisionnaires sur les budgets que l'on alloue aux différents projets, eh ben, tout le monde est au courant de l'urgence. Et c'est pour moi important de savoir que les gestionnaires qui sont en charge d'allouer l'argent public, donc notre argent, à des projets qui sont censés servir le bien commun, sont au courant et baignent dans ces thématiques autour de la biodiversité qui est aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, un enjeu crucial et même un enjeu de survie pour les années à venir et les générations futures.